السلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من TWT Motors. مرحبا بكم زادة في السالون دو تي بادوك اللي هو اليونيك سالون دو تي أتيم سبور أوتوموبيل في تونس. حلقة اليوم باش تكون متنوعة برشا بيسكو باش تشوفوا فيها لي نوفوتي أوتوموبيل في الروبورتاج اللي باش يقدم هنا نوتر روبورتور او ماروك حاتم عاشور. ومن بعد باش نمشيو للبلفيدير باش نتبعوا اون جورني دو فورماسيون أورغانيزي بار لي بيلوت إيطاليان سور دي فواتور دو كومبيتيسيون تري سبورتيف اللي هما الراديكال SR4. Et enfin, باش نشوفوا une autre journée de formation organisée par Exis, qui est une grande société française de production de films adhésifs. Où في الجورني هذه ركزوا surtout على تعليم التوانسة كيفاش يغلفوا الكهرباء بفيلم كربون اللي هو très tendance de nos jours pour les tuneurs. Donc, attachez vos ceintures parce que notre vol Tunis-Casa va atterrir tout de suite. مرحبا بكم في الصالون. انا دخلنا توا باش ندور بكم الصالون الكل موجودين توا على ستون نتاع فورد باش نقدم لكم لا جام دو برودوي كي اكسبوزي. ملتقانا عند فورد باش يكون مع السيد عبد الوهاب ناصيري اللي هو مدير عام نتاع فورد بالمغرب وباش نشوفوا مع سي ناصيري باش يحكي لنا شويه على جام دو برودوي. سي عبد الوهاب, است كو بوفي نو بارلي ان بو دو فوتر جام دو برودوي بوندون سور سو سالون اي بوندون لي جورني دو اوتو اكسبو؟ مرحبا بكم معنا في ستوند ديال فورد. دونك في هاد ليديسيون ديال اوتو اكسبو حنا اون بريزونت اجوردي اون جام تري لارج من الفورد كا en passant par le Fiesta, Focus, Mondeo, le 4x4 Kuga et le dernier est arrivé, le Ford C-Max, le monospace. Le Ford C-Max décline en quelle motorisation, si Abdelhab? Aujourd'hui, c'est un marché diesel. Marché diesel, donc il y a uniquement les motorisations diesel. Il y a les motorisations diesel 1,6 litre en 95 chevaux et 115 chevaux. Et en finition en 5 places, le compact et le grand C-Max 7 places. Sabdeb, le talon d'Achille de tous les importateurs, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, est le service après-vente. Est-ce que vous avez, vous, une baguette magique pour donner une plus-value, une valeur ajoutée à votre service après-vente? Oui, on a la baguette magique, comme vous avez dit. On a la particularité du groupe. ديالنا سي كو سي ان سوسيتي قديمه عندنا الان هذا العام كنحتفلوا 100 عام ديال الوجود ديالنا ديال فورد في المغرب. وهاد الشركه اوتوهول وهي كاينه وكتبيع المنتوجات ديال فورد في المغرب. وهاد الاقدميه ديالنا مكناتنا باش يكون عندنا واحد لو ريزو تري اتوندو. اون اي بريزون دابا سور اون ترونتين دو بوين دو فونت اون كوفر تو لو تيريتوار. C'est-à-dire le client, ملي يشري السياره ديال فورد من الدار البيضاء ولا من الداخله ولا من طنجه ولا وجده عنده الوكيل حنايا اللي واجدين تمايا باش نديروا له سيرفيس ابري فونت. Donc quoi vous roulez tous les jours sur Abdelhab? Moi personnellement je roule sur une Mondeo, donc bien sûr une Ford. Une Mondeo c'est le haut de gamme de notre de la gamme ديال فورد هنايا عندنا في المغرب. Quelle motorisation et quelle finition? C'est une titanium et avec un moteur de 2,3 litres en boîte automatique, essence. Merci beaucoup, c'est Abdelhab. Merhaba bikoum, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Wa tahiyati lil jami' al-mushahidin. Shukran.
Sur le stand BMW, nous allons vous présenter la nouvelle série 6 4 portes. Suivez-moi pour une première africaine. Bonjour. مرحبا بTWT وجميع النظار الكرام في جميع أنحاء المغرب العربي. Merci, cher Aziz. On a une exclusivité aujourd'hui. Oui, bien sûr, avec la série 6 Grand Coupé qu'on expose aujourd'hui sur le salon de Casablanca. Donc, c'est une première africaine. Donc, la série 6 Grand Coupé vient après la série 6 Cabriolet et la série 6 Coupé. Donc, c'est une voiture vraiment sublime. C'est une voiture grand tourisme. Donc, c'est une grande voiture. En même temps, elle a la ligne d'un coupé. Cher Aziz, quelle est la concurrente directe de cette voiture? Je ne sais pas si on peut citer les concurrents, mais ça, c'est dans la lignée des Porsche Panamera et autres CLS, Mercedes. Est-ce que vous avez des prévisions de la vente pour cette voiture pour l'année en cours? Pour l'année en cours, au Maroc, on prévoit de faire 40 à 50 ventes pour cette année 2012. Quel est le prix de départ de cette auto? Le premier prix, il est aux alentours de 1 million de dirhams. Et on peut aller jusqu'à? Ah bah c'est infini jusqu'à arriver à 1,5 million, 1,6 million en fonction des motorisations et bien sûr la future M qui va être aux alentours de 1,7 million aussi. Effectivement, la BMW en diesel progresse énormément. Il y a une vingtaine d'années, BMW vendait plus d'essence que du diesel, mais elle a évolué maintenant. 80% des ventes à 85% des moteurs ici, c'est du diesel. Bien sûr, la 1.18D est une des meilleures ventes chez nous, mais il y a aussi l'entrée de gamme qui est la 1.16D qui démarre sous la barre des 300 000 dirhams. Nous sommes sur le stand de Volkswagen de la centrale automobile chérifienne et nous sommes avec le président mythique, l'incontournable Monsieur Victor Elbaz. Monsieur Victor Elbaz, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir les mots que vous me dites. Monsieur Elbaz, vous avez une nouveauté à nous présenter ici sur votre stand. Eh bien oui, aujourd'hui nous faisons la présentation en première de la Jetta. Donc c'est un nouveau modèle qui va compléter notre gamme au Maroc. Et sur lequel nous fondons de grands espoirs. La Jetta est-elle présentée en Algérie et en Tunisie aussi? Alors oui, elle est déjà présentée en Algérie et en Tunisie, je ne suis pas sûr. Il faudrait poser ça à mes amis. Il faudrait poser cette question à mes amis. Alors vous êtes importateur de quelle marque au Maroc? C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous représentons tout le groupe, sauf Seat. Donc ça part de Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche. Et peut-être, j'espère, très bientôt, Bentley. C'est un scoop que je vous donne. C'est un scoop pour TWT. Alors nous allons venir vous voir le jour où vous allez présenter Bentley. Nous serons les premiers à être parmi vous. C'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bentley a décidé de rentrer sur le marché marocain. Donc on va normalement, ça devrait bien se passer. Bon, on vous donne rendez-vous pour la présentation de la nouvelle Audi A4 alors. Ah ben bien sûr, ça, c'est pour tout de suite. Donc rendez-vous sur notre stand. Et je pense qu'on aura d'autres rendez-vous puisque nous avons ensuite Porsche et Skoda. Et chez Audi, une exclusivité TWT, en grande première, la nouvelle Audi A4. Suivez le reportage. Bonjour, c'est Ahlam Jamri, conseillère commerciale Mini au Maroc. Nous sommes au salon de l'automobile à Casablanca 2012.
On vient vous présenter la nouvelle Mini Coupé en version Cooper S et la nouvelle Mini Roadster, toujours en version Cooper S, ainsi que toute la gamme produits Mini. Et donc sur le stand Mini qui nous a présenté donc le tout dernier coupé et surtout le cabriolet. Donc on va vous en parler tout à l'heure, mais je tiens à vous préciser que Stéphane Peterhansel, le pilote en rallye de Mini, la Country All Four, vient de re-signer donc son contrat pour une extension d'une année avec le team X-Red. Bonjour Max. Bonjour. Alors Rétromobile, WTCC et maintenant au Salon de l'Auto de Casablanca Auto Expo. Décidément, c'est une histoire d'amour entre nous, Max. C'est une longue histoire d'amour. Et comme je suis un homme fidèle, je suis toujours près des voitures. Max, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce salon ? Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est le niveau d'élégance des stands par rapport à ce que je vois d'année en année. Enfin, disons, tous les deux ans. Et je pense qu'il y a un effort qui est fait par tous les importateurs qui est digne d'intérêt, parce que vraiment c'est très très beau la façon dont toutes les voitures sont présentées et la décoration des stands est d'un très haut niveau. Je pense que c'est vraiment d'un niveau européen. Max, on va rester dans l'automobile, mais on va virer vers le sport automobile. Que se passe-t-il actuellement à la Fédération royale marocaine de sport automobile ? Apparemment, les dernières nouvelles qu'on a, c'est que le président actuel que nous avions a déposé sa démission. Alors moi, je ne sais pas si elle a été acceptée par l'ensemble, du Conseil de la Fédération, mais apparemment, lui a déposé sa démission. Voilà ce que nous savons. Et le calendrier dans tout ça ? Et le calendrier, il devait y avoir une course prévue à Rabat, qui est reportée normalement au 28, et une course à Noisseur, qui serait vers le 10 juin, et une deuxième course encore peut-être à Noisseur vers le 10 juillet ou 15 juillet, avant le ramadan. On va te retrouver là-bas alors, Max. Inch'Allah. Eh ben, vous voyez, Max, il est un peu partout. On l'avait rencontré à Paris lors de Rétromobile. On l'a rencontré au WTCC. Et ça, c'est plus que normal, puisque Max est un fidèle au Race of Morocco. Et là, on retrouve Max au Salon de l'Auto. Et on dit à Max, à bientôt sur les courses au Grand Prix. Merci, merci à toi. Marhababi, qu'on fait circuit dans Noisseur. En effet, TWT se déplace rien que pour vous, chers amis téléspectateurs, pour vous présenter en grande première le circuit de Noisseur où va se dérouler la dernière manche du championnat 2011 et la deuxième manche du championnat 2012. En effet, les légendes car vont s'affronter ici même. Mais pour vous, chers amis téléspectateurs, nous allons vous faire un gros et excellent cadeau, des cours de pilotage qui vont être donnés par votre serviteur, accompagné d'Eden Klein qui sera à bord de cette barquette que vous voyez ici. Alors, suivez-moi sur le tracé. Et nous sommes donc avec notre cher ami et pilote officiel pour la journée de TWT, Eden Klein, tout juste 22 ans, future étoile montante du sport automobile, et il va vous présenter un peu quelques petites astuces de pilotage à bord de cette barquette et vous allez faire en même temps la découverte du circuit de Noisseur. Bonjour Eden. Bonjour Eden. Alors, belle retrouvaille ici au Maroc. Bah ouais, je suis revenu il y a peu, donc déjà je fais ta connaissance et puis là je reviens sur mon territoire natal et ça me fait très plaisir. Tu vas nous montrer quoi aujourd'hui ? Bah, les petites astuces du circuit. Donc, tout comme vous, je vais découvrir le circuit, mais on va montrer un peu les choses à faire et tout ce qui n'est pas à faire dans les virages ou ligne droite, enfin, partie du circuit. Tu vas piloter ta barquette et dans des conditions de course, en fait. Ouais, toujours. Bah, quand on se met dans la barquette, on est toujours en condition de course. Hein. Il suffit de mettre le casque et c'est bon. Thank you.
Team Chef de Sport Automobile. Tout est une question de négocier les bons virages et de prendre les bons points de corde. Vous venez de voir Eden qui a sorti de double gauche, un peu large, et on va savoir pourquoi. Eden, pourquoi tu es sorti large du double gauche? Tout simplement pour tirer la meilleure vitesse en sortie de virage, et déjà en plus je me place directement sur la bonne trajectoire pour le prochain. Et le point de corde, tu vas le chercher? Ouais, il faut toujours le chercher. De toute façon, c'est du temps qu'on gagne et il faut gagner le maximum de temps et sur chaque virage qu'on passe. Et là, en sortie de virage, on voit que tu es sur les vibreurs. Oui, bah, ça me permet un peu de me tasser. J'évite, enfin, je tape pas sur le trottoir déjà. Et ensuite, ça me permet toujours d'optimiser une meilleure vitesse de sortie. Et tu sors pas en travers, tu sors droit, bien droit. Bah, tu vas toujours tout droit parce qu'aller en travers, ça te fait perdre du temps. Comme vous voyez, c'est aussi la technique de bien négocier donc, les trajectoires. Eden, il la maîtrise parfaitement et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un moins bon pilote. من المغرب وصون بلو غران سالون اوتوموبيل ان افريك نرجعو لتونس وين تنظمت نهار لحد اللي فات اون جورني دو فورماسيون بوغ دي بيلوت ايطاليان اللي ما كانوش فرحانين برشا باللي كونديسيون اللي لقاوها في تونس وسورتو بالسيركوي نتاع بلفيدير وقالوا اللي البيست نتاعو اللي تري غليسونت اي بوسلي وماهيش صالحه للدي كومبيتيسيون اوتوموبيل. تابعوا معنا هالروبورتاج. Du Belvédère, Mirko qui est donc l'organisateur avec Marco. C'est une question de voyelle, hein, comme vous voyez entre Mirko et Marco, il n'y a qu'une petite voyelle. Si on commençait déjà, Marco, par parler de cette expérience, c'est une تجربة جديدة, un petit تكلم بالقدي بالعربي, Marco, هكا ولا باش تحكي لنا على السيارات هذوما وباش تحكي لنا خاصة على التجربة الجديدة نتاع السيارات هذوما في تونس. الفكرة دي جاتنا كيو مرة قاعدين انا وميركو. قال لك نجم نعملوا ام بي تي فورمولا في تونس قال لك نجم نشوف الكراب قلت له هاي نجربوا ونسي دي فير سا كوم كوا اون اي سي او اون ديسيدي او جي بريزونتي دي بيرسون دون لا فيدراسيون تو سا اون ا كومونسي اون ا في ام بي تي سي اون فو فوار مينو لي ريزولتا كيس كي سادو عطا لي سي دي تو انتم جيتو بست سيارات هكا ولا زافي سي فوتور C'est le problème qu'on a rencontré, c'est le problème pas un sponsor. Vraiment, nous, on veut arriver que c'était les Tunisiens qui vont essayer les voitures. On n'a pas trouvé une bonne publicité. على خاطر انا يظهر لي المنظم اللي تلاهي بيكم في تونس هو اللي ما لقالكمش خاطر احنا فما دي سبونسور والناس او كونترير يحبوا يشجعوا التظاهرات كيما هذيا المره الجايه لازمكم يظهر لي تتنظموا اكثر انتم زاده ماركو هكا ولا سا سا بغلطه غلطه غلطه ديما تجارب تعمل ديما خير فهمت شو ديما حاجه جديده وديما ديما في المستقبل ديما في الخير فهمت Se on parlait de cette expérience, è la prima volta a Tunisi, sì. Poi spero che Marco può tradurre. È la prima volta che facciamo questa esperienza. Il nostro obiettivo, il nostro progetto sarebbe quello di organizzare un campionato tunisino con italiani e tunisini con questo tipo di vetture nel periodo che da ottobre fino a marzo. In questo periodo in Italia non ci sono eventi, non ci sono competizioni, non ci sono gare. Sarebbe bello organizzare 5-6 di questi eventi e gare organizzati in Tunisia, in varie città della Tunisia e trovare almeno 10 piloti, le macchine, 10 macchine ci sono, quindi si potrebbe organizzare questo campionato. Il nostro progetto è questo, di trovare anche qualche sponsor per finanziare un po' questo progetto. Come hai trovato la prima esperienza sua?
Buona, abbiamo trovato 10 piloti, per questioni di budget li abbiamo alternati su 5 vetture. La pista è molto tecnica ma molto scivolosa, molto scivolosa. Penso che per una prima esperienza dovremo andare in un'altra pista, perché questa è veramente molto difficile per uno che inizia a fare il pilota oggi. Per un esperto va bene, ma per uno che inizia con l'automobilismo è meglio qualcosa di più semplice. Tutti i piloti sono italiani oppure tunisini? Abbiamo cercato, io ho voluto avere piloti tunisini, ma non siamo riusciti, non abbiamo trovato alcun pilota. Sono entrato in contatto con 2-3 piloti, però non sono riuscito ad avere piloti tunisini. Io volevo avere piloti tunisini. La prossima volta? Challa, sarebbe molto bello. انا يظهر لي حان الوقت باش يكون عندنا ان فري سيركوي اون بو با بارلي دو سيركوي دو فورمولا 1 سي ترو تو باسكو سي با بوسيبل ميم كونت اون ا ديسكوتي افيك مسيو جان تود كي لو بريزيدون دو لا فيدراسيون انترناسيونال اوتوموبيل il a dit c'est pas possible d'avoir un circuit de formule 1 même la France n'a pas son circuit de formule 1 mais on peut commencer par ce qu'on appelle un autodrome ou elle a un petit stade un stade pour justement ce genre de circuit pour les autos et pour les motos je crois que vous m'avez compris Mirko Je crois que c'est Monsieur Shedley del NACT, il ha cette, meglio in italiano, a questo progetto di circuito di Formula 1. Io credo che non sia nemmeno interessante investire così tanto, credo che sia molto meno costoso e più facile da gestire per tutti avere un circuito di 1,8 km, 2 km massimo, dove può costare molto poco, low cost, e ci si può divertire anche con le macchine stradali, con le macchine di tutti i giorni. Quindi deve lavorare un circuito esatto, un circuito di Formula 1 ha dei costi, dove dobbiamo far pagare a un pilota dei costi molto alti, perché abbiamo bisogno di tanto personale, di tante ambulanze, non è possibile, non è secondo me interessante. Le piste che lavorano in Italia, che lavorano, che guadagnano, che hanno un bilancio positivo, sono le piccole piste. Le grandi piste sono tutte in perdita, tutte. Voilà, donc comme vous l'avez compris, il parle du projet de monsieur Shedley 18 dont on entend parler depuis 25 ans, un circuit de Formule 1, ce n'est pas possible en Tunisie, c'est trop coûteux comme disait Mirko et comme le disait aussi monsieur Jean Todt il y a pas longtemps, il y a à peine 2 mois pendant sa visite en Tunisie. Ce que suggère monsieur Mirko, c'est un petit circuit d'un kilomètre et quelques. Moi je dirais même on peut aller jusqu'à 2,5 km ou 3, ça va pour des voitures normales, comme nous avons vu dernièrement, il y a 3 semaines, à Marrakech, pour le WTCC, pour les voitures normales, les Seat, Chevrolet, Ibiza, et pour les motos, et pour ce genre de voitures. Donc l'idéal aujourd'hui, c'est de penser vraiment à un circuit, à un autodrome, comme je l'appellerai, pas un circuit de Formule 1, il ne faut pas rêver, c'est trop coûteux, même la Turquie, je rappelle, qui avait son propre circuit, s'est retirée et ne fait pas partie des 20 manches de la Coupe du Monde de cette année de Formule 1. Donc restons petits, restons compris en frais parce que les coûts sont exorbitants. نمشيو للفرنسيس اللي نظموا نهار 22 ماي اون جورني دو فورماسيون في اللاك حبوا يوريو فيها التكنيك الصحيحه نتاع كيفاش نغلفوا كهربه كامله بالفيلم كربون نخليوكم مع الروبورتاج نظمت نهار 3/22 ماي اون جورني دو فورماسيون دو بوست كربون تخص سورتو جماعه التونينغ اللي تمكنهم الحكايه هذه باش يعملوا ان شونجمون راديكال للبانتور نتاع كرهبهم ويردوها كاينها مصنوعه من الكربون اللي هو بيان سور ماتيريو غالي برشا مضخم برشا اصح من الطوله اما بيان سور في الكا هذا سوني كان فيلم اديزيف اما يبدل كومبليتمون مظهر الكهربه وهذه غروسو مودو المراحل نتاع تغليف الكهربه بالفيلم اديزيف اي في كربون C'est un problème. Le nettoyage, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien nettoyer, dégraisser les véhicules. Attention aux véhicules lustrés, s'ils le sont.
parce que ça ne colle pas. Alors, j'ai nettoyé le véhicule, j'ai préparé le véhicule en collant du scotch, du tiro, voilà, justement pour que le vinyle ne colle pas sur les caoutchoucs. La difficulté du cobring, en fait, c'est de savoir comment on déforme le vinyle pour envelopper des formes convexes ou concaves. Voilà. Il y a une technique très précise. Tout à l'heure, on va essayer d'en parler un petit peu plus en détail si ça intéresse quelques personnes. Et le covering, c'est aussi une histoire de tendre le vinyle, savoir tendre le vinyle par rapport à la forme du véhicule. C'est toujours une question de tension de vinyle. C'est un vinyle existe de 120 microns environ, et tous les vinyles pour le total covering ont une colle structurée. Vous pourrez voir si vous voulez, en fait, il y a des micro-canaux sur la colle qui facilitent l'évacuation de l'air. Donc ça permet de tendre le vinyle et de ne pas faire de mur. Ça facilite la pose, ça rend la pose un petit peu plus rapide aussi, mais ça ne rend pas forcément les déformations plus faciles. Il ne faut jamais oublier que la difficulté du covering, ce sont les déformations. Le Grand Prix de Noisser les 9 et 10 juin 2012. Suivez les champions sur le tracé marocain réputé pour être le plus complexe de la saison. Les pilotes en lice, femmes et hommes, vous promettent un spectacle 5 étoiles époustouflant. Rendez-vous donc au circuit de Noisser à côté de l'aéroport Mohamed V à Casablanca pour un week-end exceptionnel de compétition.
d'animations branchées, de musique, de danse, de dégustation de mets raffinés le 9 et 10 juin 2012. Soyez nombreux. Juste avant de se quitter, ma tenseoch li tnajmou taoudou tetfarjou ala halqat lyoum wala tetfarjou ala ay halqa ma tabatouhech sur notre page Facebook TWT Motors. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne. Excellente semaine. Ciao, ciao.